Good morning, allez, Iden et Sussur aujourd'hui, le Nishmat Esther, Bat Miriam, Yaakov, Levana, Yosef, Akab, et Robert Baruch Ben, Jamil Tarabin, ce qui lui refait de le Bessar de Shimon Ben Esther, Hamchet Miriam Bat Rosana, et Binamin Ben Chibiba, Vitor, Shachol Israël, si vous êtes aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet, Eruvin, Perekret, Mishnah, Gimel, Anche, Chatser, Anche, Mirpeset, Shechachechou, Velo, Eruvu, Kol Shegavoa, Asar Atfachim, La Mirpeset, פחות מכאן לחצר, חוליית הבור והסלע גבוהים עשרה טפחים למרפסת, פחות מכאן לחצר. במה דברים אמורים? בסמוכה, אבל במופלגת אפילו גבוהה עשרה טפחים לחצר, וזוהי סמוכה כל שאינה רחוקה ארבעה טפחים. On commence par traduire directement, vous n'allez pas tellement comprendre, je vous explique ensuite. Anche Chatser v'anche mirpeset. Les habitants de la cour et les habitants du balcon. Shechachechou velo eruvu. Qui ont oublié qu'ils n'ont pas fait de eruv ensemble. C'est-à-dire, c'est fréquent dans les immeubles d'époque, à Yerushalayim, il y a encore les vieux quartiers où ça se trouve encore, où il y a, dans un immeuble, pour monter à l'étage, il n'y avait pas des escaliers internes. Il y a comme ça des escaliers par l'extérieur et une sorte de grand balcon où il y a plusieurs portes qui donnent, d'accord? Donc il y a les gens qui habitent en haut et les gens qui habitent en bas. On commence par entrer dans la cour de l'immeuble. En bas, il y a plusieurs maisons, d'accord? Chacun va trouver sa porte. Et puis, il y a aussi donc l'escalier qui monte, qui amène au balcon, et chaque balcon, il va nous faire entrer dans une maison. Et ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas fait de hérouve ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il faut préciser qu'ils ont fait... Les habitants en haut, ils ont fait un hérouve pour pouvoir porter dans leur balcon. Les habitants en bas ont fait un hérouve pour pouvoir porter dans leur cour, mais ils n'ont pas fait de hérouve mutuel. Et l'objet de notre Mishnah, il va être de parler maintenant, définir toutes sortes de lieux intermédiaires dans la cour, à qui il appartient. Et la Mishnah me dit comme ça, « Kol shegavoa asarat fachim » Tout ce qui a une hauteur supérieure à 10 tefar, la mirpeset, ça appartient. C'est associé à la mirpeset, et parchot mikan, et ce qui est en dessous, les chatser. Ça appartient au chatser. Et du coup, la Mishnah, ensuite, elle va commencer à me prendre des exemples concrets en m'expliquant différentes situations. Ici, déjà, on les traduit tous, comme ça, après, on s'acquitte de la Mishnah et on réexplique ensuite. Rouler à tabord, le rebord du puits. Véasela, et s'il y a dedans un Sela, c'est un grand rocher. Gvoim Asara, c'est là une hauteur de 10. D'Asara Tfachim, c'est là une hauteur de 10 Tefar. Hauteur de 10 Tefar, ah, on le donne. Pour les habitants de la Mirpeset. La Mirpeset. Pour les habitants du balcon. Pachot Mikan, si c'est inférieur à 10 Tefar. Alors c'est les Khatser, c'est pour les habitants de la cour. Et on s'arrête là. On s'arrête là, même si ça va continuer. C'est un peu le même principe qui revient, parce que pour le moment, je suis sûr que vous n'avez pas compris grand-chose. Donc on va expliquer un petit peu mieux. Ça nous rapporte en fait au Perek Zain. On avait développé assez amplement le sujet. Dans la Gemara, on le développe encore plus longuement là-bas, dans le Perek Zayin. À savoir, une situation où il y a deux cours indépendantes, mais qui ont aussi la possibilité de faire un rouve mutuel entre eux. D'accord? C'est-à-dire, imaginez, on a deux cours mitoyennes, avec des habitants dans chaque cour. Chaque habitant de chaque cour a le devoir de faire le rouve dans sa propre cour. Une fois qu'ils vont faire le rouve dans leur propre cour, alors ils pourront porter dans leur cour. Mais par contre, faire passer d'une cour à l'autre, ils ne pourront plus faire. Ils pourront plus faire passer les choses. Plus précisément, les objets qui étaient dans la cour avant l'entrée du Shabbat, ils pourront passer d'une cour à l'autre, il n'y a pas de problème. Mais les objets qui sont dans les maisons ne pourront pas passer d'une maison à la cour à l'autre cour. D'accord? Ok? Vous avez compris, j'espère. Sinon, je répète encore une fois peut-être, parce que c'est des notions. On les avait toutes évoquées, tout appris dans le Périxagne, on les avait sûrement un petit peu oubliées, j'imagine. Il y a, encore une fois, il y a deux cours mitoyennes, des habitants. S'ils font le hérouv chacun avec sa cour personnelle, même si on peut faire passer d'une cour à l'autre, parce qu'il y a là-bas une porte entre les deux cours par exemple, eh bien, on ne pourra pas faire passer les objets d'une cour à l'autre. Mais plus précisément, ce n'est pas vrai. D'accord? Ça, c'est la notion à prendre. En réalité, il y a une petite discussion sur ça, sur les objets d'une cour à l'autre. Mais les objets d'une maison à l'autre cour, ou d'une maison de là-bas à l'autre cour, là, c'est sûr qu'ils ne pourront plus le faire passer si on n'a pas fait de hérouv ensemble. Ils doivent nécessairement faire un hérouv ensemble pour pouvoir porter ensemble, premièrement. Deuxièmement, maintenant, on arrive, parce que là, on a une cour et le balcon. Le balcon, c'est aussi une sorte de cour, pour les habitants qui habitent au-dessus.
Et la cour, c'est pour les habitants d'en bas. Du coup, s'ils font pas de Hérouv, ils peuvent faire passer des objets du balcon à la cour. Ouais. Ça, il n'y a pas d'interdit. Mais les objets qui sont dans les maisons, on ne pourra plus le faire descendre dans la cour. Les objets des maisons d'en bas, ils ne pourront plus le faire monter sur le balcon. Parce qu'ils ne sont pas faits de Hérouv ensemble. C'est la donnée de base. On parle de ça dans notre Mishnah. C'est ça l'histoire avec le Anshe Chazer, Anshe Mir Peset, Shechachechu et leur ils ont pas fait de Hérouv mutuel ensemble. Mais le Barthénoraï va vous dire, mais quand même, Elohim Elo, ceux-ci avec ceux-là. Aval Ervo Elo le Hatzman, Velo le Hatzman. Mais ils ont quand même fait un Hérouv pour les habitants des balcons et un Hérouv pour les habitants de la cour. Ok? On parle de ça. Et la Mishnah continue en me disant, Kol Shegavoa Asarat Fachim, sache maintenant, alors maintenant on y arrive. Il y a les habitants du balcon et les habitants de la cour. Ok? Il y a maintenant toutes sortes de domaines intermédiaires entre la cour et le balcon. Ou bien on pourrait même parler aussi entre les deux cours. Aussi, c'est le même principe. Imaginez qu'il y a deux cours maintenant. Et on va commencer à rappeler d'ailleurs une Mishnah qui avait mais fait explicitement dans Perek Zayin. Deux cours mutuels, ils n'ont pas fait de Hérouv mutuel ensemble. Et il y a entre les deux, à part la porte, il y a aussi un mur, un muret même, au de 10 tefar, qui a une largeur de 4 tefahim, qui est défini comme un domaine intermédiaire. On avait une Mishnah explicite qui nous disait que ce mur-là, eh bien, on ne pourra pas prendre les objets des maisons et les poser dans la largeur de ce mur. Pourquoi? Parce que puisqu'ils n'ont pas fait de Hérouv entre eux, les deux cours, alors il s'avère que maintenant, ce lieu intermédiaire, qui est en théorie utilisable par chacune des deux cours, eh bien, il s'avère qu'il appartient aux deux. Du coup, moi qui habite dans la cour de gauche, je ne pourrais pas poser l'objet parce que les habitants de la cour de droite, eux aussi, ils ont le droit d'utiliser ce même muret, ce même mur qui est entre nous, qui nous sépare. Donc en fait, il y a un lieu intermédiaire qui se trouve entre deux cours, que si on est tous les deux équivalents dans l'utilisation, alors on ne pourra pas l'utiliser, c'est-à-dire on ne pourra pas l'utiliser pour poser les objets des maisons, le poser sur le mur. D'accord? Le poser dans la largeur de ce mur. Si ça nous arrange de le faire, on ne pourra pas. Parce que déjà, au même titre qu'on n'a pas le droit de faire passer les objets d'une maison à l'autre, d'une maison à l'autre cour, on n'a pas le droit non plus de faire passer les objets de la maison jusqu'à ce domaine intermédiaire, à cause des habitants de notre cour. C'est déjà considéré qu'on est déjà commencé à rentrer chez eux, même si c'est aussi chez moi. D'accord? Moi, je leur interdis, et eux, ils m'interdisent. Ok. Si vous avez compris le principe, alors maintenant, on va passer un nouveau cap, en expliquant. Tout d'abord, s'il y a un mur, ce même mur qui se trouve entre deux cours, pour des raisons techniques, il est plus facilement utilisable pour une cour et pas pour l'autre. Par exemple, on a deux cours, mais qui ont un dénivelé entre elles. Donc elles ont une porte ouverte. D'accord? Peu importe. Ils ont un dénivelé entre elles, que pour les habitants du dessus, c'est facile d'utiliser ce mur. Pour les habitants du dessous, c'est difficile, c'est trop haut. D'accord? C'est trop haut, ils ne s'amusent pas à poser des. C'est pas pratique. Du coup, ce domaine qui est apparemment intermédiaire entre les deux, dès qu'il devient plus facilement utilisable à l'un que pour l'autre, alors on considère qu'il est concrètement, il est apparenté à l'un et pas à l'autre. D'accord? Donc du coup, pour les cours qui ont un dénivelé, par exemple, alors il y a normalement le mur qui est très épais et qui est utilisable, eh bien, les habitants de la cour du dessus pourront l'utiliser, eux, pendant Shabbat, même s'ils n'ont pas fait de Hérouv avec les habitants de la cour du bas. Tandis que les habitants de la cour du bas, ils ne pourront pas l'utiliser. Toujours quand je parle d'utiliser, ça veut dire prendre des objets de leur maison et les poser là-bas. D'accord? Parce que c'est un domaine maintenant qui n'est plus leur propre domaine personnel. Maintenant, on y arrive avec l'histoire d'Amir Pesset. Toute notre Mishnah est fondée sur ce même principe. On parle qu'il y a maintenant le balcon et la cour en bas. Et il y a au milieu toutes sortes de. La Mishnah va finir en me disant que ça, on parle que ce qui est très proche du balcon. Il y a maintenant au milieu des domaines un petit peu intermédiaires. Imaginez qu'on peut avoir un rebord assez haut. On ne va pas encore rentrer dans les détails. Plus précisément après, je vous préciserai davantage, mais imaginez un rebord qui est assez haut, qui est utilisable en théorie par les habitants de la cour du bas et les habitants de la Mir Pesset. La Mishnah va m'enseigner, bah, tu sais quoi? Les habitants de la Mir Pesset, pour eux, c'est facile d'utiliser parce que utiliser des choses en les posant un petit peu plus bas, c'est plus facile que de mettre quelque chose qui est plus haut que soi. D'accord? Du coup, quelque chose qui va se, un rebord qui va se retrouver intermédiaire entre les habitants de la cour du haut et la cour du bas, et entre le balcon du haut et la cour du bas, eh bien, il sera plus apparenté, je sais pas si c'est le bon mot, apparenté aux habitants du balcon, parce que pour eux c'est plus facilement utilisable,
Et donc, ils vont, eux, le balcon, ils vont pouvoir l'utiliser, les habitants de la cour du bail ne pourront pas l'utiliser. Si toutefois, on va se retrouver maintenant dans une situation où il va y avoir quelque chose qui est utilisable de manière équivalente, alors dans ce cas-là, plus personne ne pourra l'utiliser, parce que ça devient un domaine intermédiaire qui appartient donc aux deux, sans que les deux aient fait un hérouv. C'est tout le principe de la Mishnah, il tourne autour de ça. D'accord? Donc retenez bien, on va parler maintenant d'une cour, avec un balcon, avec maintenant un rebord qui peut être un rebord de puits, qui peut être un rocher, qui peut être toutes sortes de choses qu'on va voir. Eh bien, s'il a une hauteur qui est tellement haut, où il est maintenant plus facilement utilisable par les habitants du dessus, donc il apparente haut, les habitants du dessus l'utilisent, pas les habitants du bas, s'il est plus bas, maintenant tout le monde peut l'utiliser. Alors, puisque tout le monde peut l'utiliser, alors on n'aura plus personne dans le droit de l'utiliser. Et je reprends maintenant toute la Mishnah en deux mots, vous allez voir comment c'est facile. C'est facile, vous avez compris le principe. Anche Chatser va Anche Mirpeset, les habitants de la cour et les habitants du balcon. Chez Chachéchou et le Hérouv, ils ont oublié, ils n'ont pas fait de Hérouv mutuel entre les deux. Chacun a fait un Hérouv indépendant, mais pas un Hérouv entre les deux. Kol Shegavo à Saratfachim, tout ce qui va être à une hauteur haute de 10 Tefar au-dessus du sol, donc on est monté à plus de 1 mètre, 1 mètre 20. Les habitants du bas, maintenant, s'ils veulent poser des charges, c'est lourd à poser quelque chose un petit peu en hauteur. La différence de celui qui habite au-dessus, c'est plus facile pour lui de descendre. Alors, la Mirpeset. Ce lieu-là sera apparenté à la Mirpeset. Donc, les habitants de la Mirpeset du balcon pourront l'utiliser, mais pas les habitants de la cour. Par contre, Mikan, s'il est en dessous, les Khatser, alors ça appartiendra. Alors, apparemment, c'est écrit, ça appartiendra à ceux qui habitent dans la cour. Mais le Batanora, il va nous dire quoi? Non, pas les Khatser. Af les Khatser, même pour le Khatser. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux maintenant, ils ont une utilisation équivalente. Du coup, chacun, il interdit à l'autre. Ok? C'est la petite feinte. Le Batanora qui explique comme ça. C'est la Gemara. Chuliat Abor Veasela. Maintenant, quoi inclure dans cette histoire? Chuliat Abor, le Chuliat du bord, le rebord du puits. En réalité, ça inclut même le puits avec des conditions, mais je préfère plus rallonger parce que sinon ça va être trop lourd. Veasela, ou bien s'il y a un rocher. Gvoim Asarat Fachim, sinon une hauteur de plus que 10 Tefar. La Mirpeset, alors ils seront apparentés pour les habitants du balcon et les habitants du balcon pourront l'utiliser cet endroit. Mais pas les habitants de la cour. Par contre, Mikan, si c'est inférieur, alors attention, les Khatser. Ça appartiendra même aux habitants de la cour, donc chacun, plus personne ne pourra l'utiliser, parce que chacun l'interdit à l'autre. Bamed Variyam Amorim, attention, tout ce que je t'ai raconté, attention. Bismoucha, on parle que ce rocher qui est haut de 10 Tefar, ou que ce puits qui a son rebord haut de 10 Tefar, qui soit Bismoucha, qui soit proche du balcon, que du balcon on puisse facilement l'utiliser. Aval Bemouflegat, par contre, s'il est plus éloigné, ouais, il est plus loin, alors, à Filogavo Asadfarim, même s'il va avoir une hauteur plus que 10 Tefar, les Khatser, il sera apparenté aux habitants de la cour, mais là, de nous, il faut expliquer, même aux habitants de la cour. Comme ce qu'il nous dit le Bartanoura. Ah, les Khatser qu'on a mis Peset. Avec Eveiger qui pose une question sur ça. Il y a Badaï qui nous fait pareil, ça s'approfondit davantage. Moi, je m'occupe de traduire les mots, de leur donner une allure. Et voilà. Donc maintenant, si c'est plus loin du balcon, que maintenant les habitants du balcon, même pour eux, c'est dur de l'utiliser parce que c'est trop loin, alors du coup, ça devient maintenant un domaine intermédiaire qui sert aux habitants du balcon comme aux habitants de la cour, au même titre. Du coup, il est ce poteau, ce puits, ce rocher, il est apparenté aux habitants du balcon comme de la cour. Du coup, plus personne ne pourra l'utiliser parce que c'est un lieu qui appartient à deux personnes. Et qui n'a pas eu de hérouv. Vezo Ismoucha, qu'est-ce que tu me dis quand tu dis que c'est proche ou loin? Qu'est-ce que ça inclut quand tu me dis que c'est proche, qu'il faut que ça soit proche du balcon? Kol Shena Rechoka Arbat Fachim. Tout poteau, obstacle, qui a une hauteur, qui n'est pas éloigné à plus que 4 Tefar. Soit maintenant, je récapitule, on a le balcon et on a la cour, on a le poteau intermédiaire, tant qu'il est accessible par les gens du balcon, ils n'ont pas besoin de tendre la main à plus que 4 téfars donc, pour des 40 cm. Donc ça s'appelle que maintenant, il est facilement utilisable pour eux et pas pour les habitants du dessous. Il y a un détail que je n'ai pas précisé non plus, que je n'ai pas voulu rentrer dedans. On parle que le balcon, en fait, il a une hauteur de 10 téfars aussi. Ça veut dire, en gros, il y a 20 téfars qui sépare le balcon du khatser. C'est un peu délicat à comprendre comment ça se présente. Ça peut se présenter, imaginez, d'accord? D'accord? On a donc maximum jusqu'à 20 tefar, donc c'est accessible par les habitants du haut comme du bas. Si toutefois c'est très haut, alors c'est devenu aussi dur pour les habitants du dessus que les habitants du dessous.
D'accord? Et donc, chacun est interdit à l'autre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol Tuv Salam.